Bonsoir Anthony. Bonsoir. Bon, félicitations pour ta bonne prestation ce soir. Voilà, à la dernière minute, on t'a changé ton adversaire. D'accord, ça devait être Ribon. Mais bon, malheureusement ce soir, la victoire n'était pas au bout. Mais voilà, comment voilà, l'approche de cette échéance avec un changement d'adversaire, comment tu l'as géré? Après, y a pas eu, ça ne nous a pas perturbé parce que peu importe l'adversaire, des fois c'est nous qui faisons des combats au pied levé. Donc y a pas, ça ne nous a pas perturbé plus que ça. On a vu des combats de check-in. Après, ce soir, je n'ai pas été offensif comme je l'étais avant, mais je fais de la merde. Et puis. Voilà. Et justement, quand tu es tombé au sol, en fait, on n'a pas bien vu en fait ce qui s'était passé. Apparemment, tu as pris un coup derrière la tête, c'est ça justement qui a poussé ton poing à jeter les touches. Tu te sentais comment à ce moment-là? Bien? Après, j'allais remonter au 8e et j'ai vu que mon coup a jeté les épaules. Mais le coup de coude sur le haut du crâne, ça c'est rien, c'est que du sang, donc voilà. C'est vraiment le coup derrière la nuque qui me fait encore un peu mal, encore derrière au niveau des cervicales. C'est ce qui m'a vraiment séché, quoi. Mais après j'allais remonter avant le 8e, hein, j'ai vu que mon coach a balancé, a jeté l'éponge, donc voilà, même si j'étais relevé, donc ça n'aurait rien changé à la décision. Donc j'ai pas pris le combat comme je l'espérais par le bon bout. Il a été agressif dès le départ et puis bon, j'ai essayé de riposter, mais moi j'étais trop nonchalant. Donc on sait ce qu'il y a à bosser pour les prochaines échéances. Okay, ça marche. Voilà. En tout cas, on souhaite plein de bonnes choses pour encore la suite. Encore désolé pour le coup. Il n'y a pas de soucis. Mais en tout cas, on espère te revoir comme bientôt. On va essayer. Okay, ça marche. Merci beaucoup. Merci.